Bonjour à tous, on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo que j'avais tellement hâte de vous tourner, si vous saviez à quel point. Dans le titre, vous devez sûrement savoir de quoi on parle, mais on va pas parler de ça tout de suite. Déjà, je vous laisse vous souhaiter une bonne année, j'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées, parce que oui, c'est la première vidéo de la chaîne de 2021. Ça fait très bizarre de dire 2021. Sinon, j'espère que vous allez être en bonne santé pour cette année, que vos rêves, vos envies, tout ce que vous voulez se réalise et que vos loulous, si vous en avez, aillent le mieux possible. Du coup, dans le titre, vous avez dû savoir de quoi nous allions parler. C'est un unboxing pour ma Poney Box, car oui, j'ai commandé ma box chez ma Poney Box et je suis trop contente. Alors du coup, cette box, je l'ai commandée en décembre. Je vais vous donner mon avis. C'est la première fois que je commande chez eux et j'avais vraiment hyper hâte de la tester parce que j'en entends parler très souvent et par les réseaux sociaux et par des amis, etc. En plus de ça, j'avais vraiment très hâte de l'ouvrir parce que depuis que je l'ai reçu, c'est-à-dire le 31 décembre, parce que je l'ai reçu le 31 décembre pour bien finir l'année 2020, je ne l'ai pas ouvert depuis. Et là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 7 janvier. Donc depuis tout ce temps, je n'ai pas regardé ma Poney Box. Et donc j'ai trop hâte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur parce que je voulais garder la surprise pour cet unboxing. Donc nous n'allons pas l'ouvrir tout de suite, car je vais vous donner à peu près mon avis sur ma Poney Box, comment j'ai commandé ma commande, comment s'est passée ma commande, et à la fin je vous donnerai vraiment un avis global aussi sur les produits que j'ai eu par rapport à ce que je leur ai donné comme information. Du coup, j'ai commandé ma Poney Box en début décembre, sachant que du coup ça allait être la box de janvier. Du coup, je me demandais un peu ce que ça voulait dire box de janvier, est-ce qu'il y avait un thème précis. Après, je pense que quand c'est décembre, par exemple, c'est plus orienté vers Noël, des choses comme ça. Et sur le site, il y avait marqué que la box, normalement, devait arriver le 12 du mois prochain, à peu près. Il y avait une autre date, mais je ne l'ai plus en tête. Et donc, du coup, je me disais, c'était vachement long quand même, parce que, et on était début décembre, fallait du coup que j'attende début janvier pour la recevoir. Je me disais, c'est hyper long. Et finalement, je l'ai reçu 2 semaines après, en gros, il me semble. Et donc du coup, j'étais assez surprise de la recevoir à ce moment-là. Du coup, j'ai commandé la plus grande box qui existe, parce que sur ma Poney Box, vous avez des boxes différentes. Vous avez la box Grand Prix, la box Elite, je sais pas du tout si je me trompe dans les noms, mais au cas où, il me semble que c'est ça. Il y a ma Love Box... Il y a des box sur les friandises, des choses comme ça. Et il y a aussi la boutique, ma Poney Box. Donc du coup, vous pouvez retrouver sur la boutique tous les produits que l'on peut retrouver dans les box, si j'ai bien compris. J'ai pris la plus grande box qui était à 45 ou 47 euros, il me semble. Je vous mets de toute manière les prix en bas, comme ça vous êtes sûr que je ne me trompe pas. Quand vous commandez la box, vous payez, vous faites votre commande. Vous passez au paiement, surtout vous mettez bien votre adresse email, parce que en fait, une fois que votre paiement a été validé, vous allez recevoir un mail déjà de confirmation de commande, je pense, et surtout vous allez recevoir le questionnaire de ma Poney Box pour savoir un peu vos goûts, vos tailles, votre cheval, déjà la taille que lui fait par exemple, ce que vous faites si vous faites du loisir, de la compétition, des choses comme ça. Il pose plein de questions pour connaître, pour vous connaître, pour connaître votre cheval si vous en avez un, ou pour connaître ce que vous faites dans votre vie équestre. Malheureusement, moi je n'avais pas reçu le mail, donc c'était un peu, enfin je me suis un peu inquiétée, donc je leur avais envoyé un message sur leur Instagram et ils m'ont répondu dès le lendemain, comme quoi il était dans mes courriers normalement indésirables. Malheureusement, il n'y était pas. Et du coup, ils m'ont renvoyé le mail. Et franchement, ils étaient adorables. Dès qu'on parlait, ils étaient vraiment très gentils. Et ça, ça fait plaisir déjà qu'une entreprise prenne le temps de répondre aux gens qui leur envoient un message via les réseaux sociaux. Et en plus, d'une gentillesse incroyable. Donc, déjà, merci ma Poney Box pour cette gentillesse. Et pour cette attention, enfin cette attention, pour avoir fait attention du coup à ma demande, comme quoi je n'avais pas reçu le mail. J'ai donc au final reçu le mail, j'ai répondu à mon petit questionnaire, et comme je vous l'ai dit, quelques semaines après, j'ai reçu ma Poney Box.
Alors du coup on va pouvoir commencer à l'ouvrir. J'ai vraiment trop hâte. Alors déjà faut que j'arrive à l'ouvrir. Alors déjà je vois des trucs qui brillent. Et j'adore ce qui brille. Franchement j'adore ça, surtout en période de fête actuellement. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors je vais prendre un truc qui à mon avis est le plus important entre guillemets. Donc déjà on a une petite carte qui marque 2021, Happy New Year, avec leur site internet et attendez, ça fait pas le focus. Leur site internet, mais vous allez pas bien voir. Et du coup ils marquent qu'ils ont un Facebook et un Instagram. Donc c'est un petit mot de ma Poney Box qui dit: bonjour Mathilde, voici ta première Poney Box, celle de janvier, pour prendre soin de Hermès. Oh, ils ont appelé Hermès. Ça c'est mignon. Nous te souhaitons une très belle année 2021, prends soin de toi et de tes proches, à bientôt Noémie. C'est beaucoup trop mignon ces petits mots. Je savais qu'ils mettaient des petits mots, mais même si c'est leur boulot entre guillemets, je trouve ça vraiment super sympa de mettre des petits mots comme ça personnalisés. Je trouve que ça fait une relation envers le client qui est plutôt sympathique. Alors après la petite carte, il y a ceci. Alors je sais pas si vous allez bien le voir avec la lumière, parce que du coup il y a le reflet de la lumière, je suis désolée. Ça s'appelle du Eating Gel. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Et c'est marqué en anglais et en allemand. Alors je sais lire l'anglais, mais je vous avoue que là j'ai un peu la flemme de lire, donc je lirai plus tard. Après si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que c'est pour les articulations parce que il y a des petits points rouges sur les articulations du cheval. Donc c'est sûrement ça. Ensuite il y a des chaussettes beige. Donc j'avais dit que j'aimais beaucoup le beige. Je ne sais pas ce que c'est ce logo parce que je vous avoue que niveau marque j'y connais rien du tout dans la marque des chevaux. Mais de toute manière je vous mets la liste des produits juste ici. Donc du coup petite chaussette, je leur avais donné ma pointure et c'est pile ma pointure. Donc c'est nickel, c'est du 36-41. Et je manque de chaussettes en plus, donc c'est parfait. Alors ensuite on a des salades, des friandises de chez Candy's Horse. Je suis désolée, je connais vraiment pas les marques, mais ça a l'air d'être des friandises naturelles. En tout cas, franchement, moi je serais un cheval, ça donnerait envie. Ça a l'air d'être au curcuma. Ce sont du coup des friandises au curcuma. Et donc en plus, le curcuma est super bon pour les chevaux, surtout pour ceux qui font de l'arthrose, pour ceux qui savent pas. Après, Hermès, normalement, n'en fait pas à son âge, n'est-ce pas? Mais c'est pas mal. Et après, sinon, il y a des trios de céréales, miel et thym. Et betterave rouge, sans colorant ni conservateur. Franchement, top, j'en connais un qui va être très heureux. Oh, et là je vois un truc, il me reste encore deux articles. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai une passion pour un produit pour cheval, pour un équipement pour cheval, que j'aime beaucoup. Je vous le montrerai en dernier du coup. Regardez-moi ça, comment ça brille! Franchement, j'aime trop tout ce qui brille en ce moment. Et voilà, il y a des paillettes. C'est franchement, j'adore. Franchement, moi et les strass, c'est une grande, grande histoire d'amour. Et surtout en période de fête, je suis très, 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 très strass. Et là, bah, j'ai une brosse pleine de strass. C'est génial. En plus, là, les poils, ils sont un peu. Ils sont pas trop doux, pas trop durs. Franchement, je pense qu'Hermès va beaucoup aimer. Parce qu'il est un peu compliqué au niveau des brosses. Il n'aime pas quand c'est trop dur. Et franchement, bah, c'est génial. Une brosse en plus dans ma boîte de pansage. Donc du coup, ça y est, on arrive sur le dernier article. Et je pense que c'est celui qui me plaît le plus. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai une grande passion pour tout ce qui est licol. Et là, j'ai reçu un licol. Oh, franchement il est trop beau. Il y a de la mousse qui est super douce. Il est beige du coup, mais il est trop beau. Franchement je suis trop fan. Moi bon, avec l'hiver là en ce moment il est sale très rapidement, mais il est trop beau. Je vais l'essayer sur Hermès, mais du coup pour ça je vous laisse me suivre sur mon Instagram, comme ça vous le verrez en story lorsque je l'essayerai. Normalement je l'essayerai le lendemain, vous regarderez cette vidéo, donc c'est-à-dire le dimanche.
Et c'est un... Alors je vais regarder la marque. C'est un Lycol HKM. Alors j'ai jamais vu... Enfin j'ai jamais eu de produit de cette marque, mais j'en ai très souvent entendu parler. Mais franchement, il est génial. J'adore les Lycol Moumout. Il est beige, il est... Je suis trop contente. J'ai un Lycol en plus dans ma collection. Et bientôt je vais plus avoir de place pour mes Lycol. Mais si vous me connaissez bien, si vous me suivez bien sur Instagram, vous savez que moi j'aime beaucoup quand les chevaux sont assortis à tout. Enfin à moi. Bah d'ailleurs là je suis... Hey, je suis déjà assortie sans même le vouloir, c'est génial. Mais oui, j'adore avoir les tapis assortis à mes Lycol, à ma tenue. Enfin, je fais une phobie, enfin une fixette là-dessus. Et donc bah là, va falloir s'équiper en équipement beige du coup, apparemment. Parce que déjà j'ai les chaussettes, j'ai le Lycol, même si ça m'étonnerait que je monte en Lycol comme ça. Mais dans tous les cas j'ai les chaussettes, donc il va falloir du coup des équipements beige. Bon, en tout cas je suis super contente des produits que j'ai eu dans ma Poney Box. Franchement c'est top, j'ai adoré Lycol, la brosse avec les strass. Les chaussettes ça va être tellement pratique parce que j'en ai pas en plus de cette couleur. Les bonbons, je pense que c'est Hermès qui va adorer. Et la petite crème gel, je pense que si c'est un petit gel de massage, Hermès va beaucoup aimer aussi. En tout cas, merci beaucoup ma Poney Box parce que vous avez été géniaux au niveau de tout ce qui est messages, etc. Et ça fait plaisir de voir qu'une entreprise qui a quand même une certaine notoriété maintenant sur les réseaux sociaux réponde aussi gentiment à ses clients. Ça fait vraiment plaisir, ils m'ont souhaité la bonne année, plein de choses comme ça. Ils ont répondu à mes messages lorsque j'ai reçu ma box, du moins mes stories. Donc franchement, je trouve ça génial. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais retester une autre box parce que franchement, c'est génial. On se fait une surprise à nous-mêmes, quand on se l'achète nous-mêmes en tout cas. Et ouais, c'est super sympa parce que de toute manière, avec le questionnaire personnalisé, on peut ne pas être déçu, je pense. Et voilà, je suis pas du tout déçue en tout cas de cet achat, je suis très contente et comme je vous l'ai dit, j'en referai un certainement. Pas tout de suite, mais ça ne serait tardé quand même. Voilà, sinon la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que quelque chose me dit qu'un prochain unboxing ne devrait pas tarder et ce sera un très gros unboxing qui va me permettre de faire quelque chose avec Hermès d'assez important comme étape, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous ma vidéo, à aller me suivre sur mon Instagram et en attendant la prochaine vidéo qui est du coup dans 2 semaines, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos que j'ai postées précédemment, que je vous poste d'ailleurs juste après dans la petite fin de vidéo et aussi dans un petit si cela vous plaît. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis encore bonne année et bonne santé et à bientôt.